Prismatic. J'allais vous faire vite fait présenter le UFOM qui a été refait. Donc on a fini de ranger les coffres, ça y est, je vais vous montrer juste après. Donc voilà, c'est bien MTP. D'accord. UFOM. Commence par un magnifique fail. Bug. Ah ça y est, voilà. Donc Smite 4 looting 3, je prends. Et hop, une petite speed 2, une erreur, voilà. Donc j'ai arrangé un peu mon EC, voilà. Aïe. Ça sert à rien de sauter dans l'eau une fois qu'on est tombé. Donc là, faut encore finir, faire mettre un peu de psy, là. Petit petit piège. Putain, les cons, ils ont fermé. Là, c'est ouvert, et là, ils ont mis... Non, pas oui. D'accord. Donc là c'est pour les dessins. J'allais vous présenter un petit peu tout ça. Voilà. Donc là pour les tapis, tout ça, voilà. Hop. Je vais refermer ça. Voilà. Donc au cas si t'as pas vu, tu les as vu les trucs à la paix. De quoi? Et là où il y a les fours là. Ouais. Donc on a commencé à mettre de l'opsy par terre. Là pareil, on a commencé à faire des portes anti-USB, même si c'est pas anti-USB. Là pareil, il faut refaire une symétrie bien propre, tout ça. Là pareil, hop. Voilà. En bas, les... là, un petit truc pour taper. Voilà, en bas, là on prend toujours des dégâts, la machine à popo qui marche toujours pas. Donc là on va pouvoir... Hop, là... Voilà, donc en trois coffres. Il y a personne qui est tombé, voilà. Slash homme AP2. Tu es un homme ou un AP2, non? Non. Tu es HTP. Ok, slash HTP. Yes. Voilà, donc faudra que j'arrive à poser mon homme là-dedans. Donc avec un petit trou là, voilà. Pareil, il y en a un ici. Alors, donc là on peut descendre directement. Hop, là. Pour accéder ici pour taper, pareil, hein, hop, on remonte là. Ça mène au grand. Ah non, même pas, ça mène où ça? Je sais pas. Voilà. Donc par contre, les 12 tout en bas, je crois qu'on accède par là-bas. Là, une source d'eau fait infinie complètement horrible. On va d'ailleurs détruire. J'ai qu'un seul saut, t'as un saut sur toi? Non. Et j'ai pas dû faire... Non. Ah ouais, mode pimp. Ah, je crois que j'ai récupéré tes bugs. Ouais, je n'ai récupéré un. Voilà, donc on va vite fait casser la porte pour rentrer. Voilà, on va reposer. Je crois que j'ai mal reposé. Ouais. Oh putain, j'ai tout fait bugger la paix. Voilà, c'est moi, je te fais bugger. Voilà, ils auront la première vidéo. Je suis encore mal placé. Ah merde, faut le passer comme ça. Voilà. Et là, tu ressors comment du truc? Bah, par une porte. Ah, d'accord. Ah oui, il y avait un courant de redstone en fait. D'accord. What? Oui, c'est moi qui a tout fait bugger. Il faut poser un bloc là, un bloc là. On va tirer une éponge. Non, non, mais t'as retiré tout au-dessus. Ah merde. Bon, on va la replacer. Bon, on se retrouve dès que c'est réparé.
Alors, tout le monde, donc c'est Hirocon, donc on se retrouve pour la fin de la vidéo, donc en compagnie toujours de Cocoart. Ouais. Donc on se retrouve à la HDV, mais j'ai pas appris s'il fallait vendre. Fail, slash MP5. Hop là. On va aller chercher vite fait les petits trucs qu'il y a à vendre. Donc je peux mettre mon armure, hop là. Genre ça, on va le vendre. Et j'ai vu qu'il y avait aussi des loot mobs. Ça, ça. Tout ça, je suis full, voilà. Tout ça, voilà. Ah, il y a un bruit dégueulasse chez toi. Enfin, il y a un truc qui fait un bruit dégueulasse chez toi. Donc, toujours avec nos petits spawners, tout ça. Cocard, ça revient plus tard là-bas au bout. Donc, merci à lui. Hein. Donc, on va vendre ça vite, Zeph. Hop là. 1320 bonnes mille à 0,07, ce qui nous fait un total de 92,40. Et ça, 101. Et ça, oh, merde, c'est des fils. Là. Ça nous fait 320 fils à 0,09, ce qui nous fait 28. Voilà, donc on se retrouve en milieu de semaine ou peut-être en début de semaine, je sais pas, je verrai bien, pour le LP numéro 3 de Guetta Faction. Allez, ciao, ciao!